Après l'arrivée de Jean-Pierre Bemba en République démocratique du Congo, c'est au tour du leader de l'opposition Moïse Katumbi d'annoncer son retour dans le pays. Malgré la menace d'arrestation qui pèse sur l'ancien gouverneur de Katanga, celui qui a passé 2 ans en exil promet d'arriver à Lubumbashi le 3 août pour se présenter à la présidentielle de décembre. Pour cet éminent homme d'affaires accusé par le gouvernement de Kabila de complot contre l'État, le combat politique reste sa seule priorité. Même si les autorités congolaises affirment qu'en cas de retour, il devra se mettre à la disposition du procureur. Je retourne au Congo, j'ai un combat pacifique pour que notre pays ait la première transition pacifique. J'y retourne, je n'ai peur de rien, je n'ai rien fait de mal. Katumbi a envoyé une lettre aux autorités de l'aviation civile pour demander l'autorisation de rentrer en République démocratique du Congo. Comme tous les candidats à cette élection, Moïse Katumbi doit se conformer au calendrier électoral qui exige le dépôt des dossiers avant la date butoir du 8 août.